Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Marie-France Claude, premier petit défunt pasteur Silvio Claude, qui s'est grincé tout Marie-Denise Claude, mourit mercredi 2 novembre 2022 à 65 l'année sous tête li, en bas en maladie cancer dans Montréal, Canada. Yon employé Office National Aviation Civile la, OFNAC, qui a assuré contrôle avion Cap Vini et puis Cap quitté Haïti yo, blessé en babal, bandit exam tiré sous yo samedi 29 octobre 2022 à Port-au-Prince. Est-ce que agression exam sa yo pas pral gen conséquence sous opération aller Vini avion yo dans pays d'Haïti? En tout cas, Fédération Internationale Association Professionnelle Cap assure contrôle avion yo nan monde lan, yo plis konnen sou nan IFATCA, leve la voix contre attaque bandi a exam fait samedi 29 octobre 2022 sous plusieurs membres Office Aviation Civile Haïti a parmi yo 3 qui assure contrôle avion Cap entrée ak soti Haïti yo. Nous entrer dans mois novembre 2022 à chaque jour qu'a passé pays d'Haïti a rentré pifon dans tout boom sans garder derrière sans pas gain aucune disposition qui prend bon côté autorité yo pourquoi pe situation ka tout boom be ça. Marie-France Claude, premier petit défunt pasteur Silvio Claude qui s'est grincé tout Marie-Denise Claude mourit mercredi 2 novembre 2022 à 65 l'année sous tête li en bas une maladie cancer dans Montréal, Canada. Ancien premier ministre Evans Paul dit li apprendre avec un pile la peine nouvelle la mort Marie-France Claude pendant li salue mémoire défunt. Marie-France Claude te membre Parti démocrate chrétien haïtien PDCH, li te étudié Canada Université Québec dans Montréal, li te fait dans mois mai 1957. Papa la Silvio Claude te un militant pasteur qui te mouri assassiné 29 septembre 1991 dans Villoukay, li te fondé parti PDCH. Seul Marie-Denise Claude, te ministre conditions féminines ak droit femme. Dans chapitre insécurité, une employé Office National Aviation Civile la OFNAC qui assure contrôle avion Cap Vini et puis Cap quitté Haïti yo blessé en babal, bandi exam tiré sou yo samedi 29 octobre 2022 à Port-au-Prince. Office National Aviation Civile OFNAC dit li confirmé gen plusieurs employés institution Cap contrôlé avion qui victime samedi 29 octobre 2022 nan yon attaque exam nan Port-au-Prince. Yon nan yon soti blessé en babal nan attaque sa la pou recevoir soin kali nécessité d'après responsable OFNAC yo nan yon note yon mette de yon madi 1er novembre 2022. Note OFNAC lan fait suite ak sa Fédération Internationale Association moun kap kontrole avion yo ou bien IFCA qui dénonce silence autorité aviation civile haïtienne yo après incident ça qui la gagne gros qu'est sauté sous sécurité dans espace aérien dans pays d'Haïti. Responsable OFNAC yo dit yo prend toute mesure qui approprié yo après incident ça tant qu'ou assurer suivi avec la police pour diligenter une enquête et puis faire prévention pour yon lot ka kon sa pas répéter encore. Toujours dans le même chapitre, aviation, est-ce que agression exam sa yo pas pral gen conséquence sur opération aller venir avion yo dans pays d'Haïti? En tout cas, Fédération Internationale Association Professionnelle Cap assure contrôle avion yo dans monde lan, yo plus connait sous nom IFATCA, lever la voix contre attaque bandi exam fait samedi 29 octobre 2022 à sous plusieurs membres Office Aviation Civile Haïti a parmi yo 3 qui assure contrôle avion Cap entré ak sorti Haïti yo. IFATCA nan note limité de yo révélé gen plusieurs anciens monde qui a contrôlé circulation avion yo qui pas qualifié, qui pas noté, qui pas licencié ou bien qui pas certifié, qui occupé plusieurs postes contrôle dans circulation avion dans aéroport Toussaint-Louverture. Ça qui d'après IFATCA posait gros problème pour sécurité trafic aérien dans le pays d'Haïti. OFNAC pas de printemps pour le voyager jeter accusation ça sans pas faire référence à note Fédération Internationale Association moun kap kontrole avion yo. OFNAC bay garanti contrôleur qui remplace si la yo ki te victime nan c'est contrôleur qui compétent. Pendant li di li regrette climat sécurité an kap dégradé nan pays d'Haïti, OFNAC fait konnen li prend diverses mesures pour li renforcer sécurité contrôleur aérien yo. Nan chapitre la presse, journaliste Radio Télé Zénith lan Robert Dimanche, la police te maspiné en pile avant yo arrêté le dimanche 30 octobre 2022 à Soudelma, annoncé la pote plainte la justice contre la police qui fait abus ak brutalité sous li.
Dans même chapitre, l'Association nationale média haïtien yo ak Association journaliste haïtien yo di yo révolté contre assassinat sous journaliste Romelson Vilsin dans la cour commissariat police Delma 33 dimanche 30 octobre 2022. Yo levé la voix yo tout bien fort contre l'autre zak agression la police fait sous plusieurs journalistes dans commissariat police Delma 33 même dimanche 30 octobre 2022. D'après ANMH, travail la presse yo pas représenté aucune menace pour force l'audio qui t'est venu exprimer solidarité yo ak confrè yo Robert Dimanche qui était dans garde à vue dans commissariat Delma 33. Attitude agressive ça agent yo c'est une violation contre liberté la presse d'après ANMH qui mandé inspection générale la PNH là l'ouvrit une enquête pour identifier bourreau la presse yo assassin Romelson Vilsin yo et puis agresseur l'autre confrère qui victime coup ak blessure pendant incident ça. Direction la police l'a dit, inspection générale Lian pral mené une enquête sous assassinat journaliste Romelson Vilsin dans la cour commissariat police Delma 33 dimanche 30 octobre 2022. Zak violence, problème sécurité à crise plusieurs dimensions qui gagne dans pays d'Haïti, mettez journalistes dans une situation mal épandie côté, yo pas gain aucune protection, c'est disons association interaméricaine la presse qui lève la voix tout contre assassinat sous journaliste Romelson Vilsin dans la cour commissariat police Delma 33 dimanche 30 octobre 2022. Parti politique Rassemblement démocrate national progressiste RDNP révolté en pile contre zak assassinat ak bal sous secrétaire général Lian Eric Jean-Baptiste ak sécurité Peterson Vernius bandi exam fait vendredi soir 28 octobre 2022 dans la boule 12. Mille fois de trop, mille fois en plus. L'ange Lamoa continue éventrer société noire qui déjà animée avec femme avec jeune garçon qui intègre d'après regret RDNP qui dit li choqué pour double assassinat ça qui révoltant li mandé acte dans la vie nationale pour yo faire un dépassement de soi pour sauver nation haïtienne nan. Rectoire Université de l'État d'Haïti a levé la voix contre Zak kidnapping bandi exam fait dimanche 30 octobre 2022 sous professeur Auguste Alexis. Rectoire dans l'Université de l'État mandé libération immédiate pour professeur faculté droit et sciences économiques là et puis faculté Inagéan. Rectoire a dit les révoltés pour pays continuer à vivre situation malouk ça à côté circulation moun vini yon parti qui gagne en pile risque dans pays. Et c'est ça dit li kwè moment vini pour gagner un véritable dialogue national qui vise mettre un bout dans conjoncti la troublaille qui blaye sur tout territoire national là. N'a pas appelé bandi exam kidnappé professeur Auguste Alexis dans tabac 43 alors que li t'a pral rejoindre un groupe étudiant dans université Kiskeya. Dans chapitre là qu'il tissante qu'a fait promotion Zev Atisio depuis plusieurs années dans pays d'Haïti, au plus connait son nom Français Centre d'art dit gen gros kè cassé sous devenir village noy dans la commune Kwa de Bouke à côté en pile monde depuis plusieurs dizaines d'années qu'on travaille fait pour faire yo tourner zèv artisan ak artiste qui sous menace pour disparaître avec attaque gang exam yo. N'a pas rappelé dans mois octobre 2022 a gen plusieurs monde dans village noy qui t'ai perdu la vie à cause attaque gang exam qu'a ferraillé dans zone ça. La police nationale a dit l'y arrêté lundi 31 octobre 2022 dans 3e section communale Marigo, département Sidès, 6 moun li suspek qui ta chef gang, gen 2 nan 6 moun sa yo qui ta reconnaître yo te assassiné 2 moun ak bal. 2 nan moun sa yo, ça veut dire Alexis Daniel ak Soifet James, te avoué yo te touye Olis Marseille ak Pansli Beaujour avec Zam yo te jwenn nan meyo. D'après PNH la, institution la police la fait konnen yo confisqué un pistolet, yon revolver ak yon zam fabrication artisanale qui capable tirer cartouche 12 même gens ak divers lot objet. La police dit li te mené opération ça suite ak divers plaintes te recevoir qui gen awe ak zak assassinat et puis tentative assassinat, vol à main armée, braquage, détention illégale zam à feu et puis association malfaiteur qui impliqué membre gang sa yo. Dans chapitre droit mon en comité droit timon en dedans organisation Nations Unies yo mandé communauté internationale là agir pressé contre menace choléra malnutrition avec violence qui gain conséquence sur plus passé 1 million timon dans pays d'Haïti. D'après projection UNICEF gain presque 100 000 timon qui gain moins passé 5 l'année cap souffrir avec malnutrition sévère. Situation ça qui alarmant
bon côté ti moun ki malnutri yo ap vin pi plis exposé à cause épidémie choléra kap développé nan peyi an. Face ak monté violence lan, insécurité an ak difficulté économique, gen an pil fami ayisyen nan parmi yo sa ki pi pov yo ki pa gen aksè a glo potable, savon pou yo lave men yo ak lot ekipman sanitè de base, sa ki riske augmente pou yo trape kolera. Yon lot bo, l'hôpital yo ki pa an mezi pou yo ofri divers fonksyon ki limite, an koz a la fwa rate gaz lan ak zak insekurite an. Nan san sa, komunote internasyonal la dwe aji imediatman pou ede otorite nasyonal yo garanti dwa milyon ti moun ayisyen yo kap viv, grandi, kap apren, epi kap epanoui yo nan yon klima ki ta dwe ekzanp de violans. Gouvernement peyi Etats-Unis an kontinye diskisyon li yo avèk divers partner an dedan Konseil Sekurite Organizasyon Nasyon Jini yo sou kesyon proje pou ta fè deplotone ankor yon lot fòs milite etranje nan peyi d'Haïti dapre potvwa prezidan Ameriken Joe Biden. Nan aktualite internasyonal, plize chef milite peyi la Roussi te diskute sou posibilite pou yo itilize zam nukleye taktik nan peyi Ukren dapre plize responsab Ameriken New York Times tap site mèkwedi an. Président Vladimir Poutine pas de participer dans échange sa yo et puis pas gè aucun signe préparatif qui était détecté d'après précision divers sources anonymes by New York Times. Pays la Russie dit li reprenne mercredi en participation nan akòz sou exportation céréales ukrainiennes yo après yo te recevoir garantie écrit bon côté Ukraine pour yo démilitariser couloir yo utiliser pour transport yo. Nan nou Amérique centrale la gen yon état alerte à cause progression tempête tropicale Lisa qui commencé frapper côte Belize mercredi avant li rapprocher vout li nan nord Honduras pendant la perdit progressivement force li. A 6 jours élection mi-mandat décisif pour président Joe Biden, tant liant t'a tenté pour y ôter accès des bails sous risque pour démocratie et puis t'a essayé riposter sous question économique qui plus favorable pour républicain yo. Le chapitre agriculture à partir mois janvier 2023 cap venir pays d'Haïti pas capable voyer mango al vendre encore dans pays États-Unis. À cause de conditions sécurité yo qui en dégraba inspecteur la douane département agriculture américain yo pas capable venir faire travail inspection yo sous qualité mango qui tape sorti Haïti yo moitié dans 10 pour arriver 13 millions de dollars américains mango qui sorti Haïti yo qu'on rapporté chaque année té qu'on a joine mon qui planté mango yo sous territoire national là. An koute ingénieur agronome Johannes Gué qui c'est ancien ministre agriculture qui a parlé nous de conséquences ça pral gagner sur économie pays. An koute agronome Gué qui réaction après annonce que au commencement de l'année prochaine nous pas capable exporter mango encore vers les États-Unis. Bon, m'a commencé par dire avant me parler de réaction pour monde qui comprendre réaction bien et pour nous ta font si parler de situation filière et mangoa et de collecte et traitement jusqu'à l'exportation vers les États-Unis parce que réaction si on ne pas comprendre ni bien on va comprendre qui ça au dit dans note que on fait sortir. Tout d'accord, m'a expliqué rapidement que mango que nous gien en Haïti son paquet variété que yo yen pas besoin bay chiffre là et puis dans yon nan yo qui c'est mango francique que n'a exporté vers États-Unis, li gen ensemble de zones géographiques qu'on ka joindre dans d'un pays a et principale zone ça c'est région transversale et pays a qui partit de la Tibonite jusqu'à bas plateau central et m'a parlé le ça de Beaumont, vallée la Tibonite, Terre-Neuve, Moussona Henry, Saint-Michel de la Talaye dans zone Placana avec Mamon et Ferret, La Chapelle pour la Tibonite et Sodo, Mimbalè dans zone dévaillée, Sodo dans zone Grande Savane et jusqu'à arriver dans limite 3 par Boivin et sous zone entre Lascarobas et Belader. L'autre côté de mango encore c'est dans pleine cule de sac, mais mango dans pleine cule de sac là diminue considérablement par rapport à question et urbanisation. Il y a trop de cailles qui construit. Donc volume de mango, quantité de mango diminué, donc volume yo diminué tout et en plus de pou gen en pile caille dans zone qui gen en pile mango français, ou pas gen en production groupée. L'autre zone encore pour gen c'est dans région Mate, Cabaret à Caye et qu'on on volume mango et puis dans grand sud là, c'est à la vallée et Cajacmel et Marigot, mais Cajac et dans zone Savane du Bois Périgord.
et puis dans sud là encore c'est dans centre-sud et puis zone Camperin et on partit dans des cailles là. Donc boum bol pour que ça me bonne distribution géographique là, c'est pour tout le monde comprendre très fort qui doit déployer collecter tout le monde ça yo trier yo traiter yo pour faire arriver dans une usine à 7 à 8 traitement qui installé dans éventuellement il y a une grande usine seulement dans usine yo qui pas Port-au-Prince c'est dans zone tronçon décrié donc c'est dans usine yo qui pratiquement en dans Port-au-Prince et surtout dans pleine ville de sac là et reste ça veut dire la pleine l'autre yo c'est on grande dans c'est tronçon donc tout et alors dans cas mango c'est une production agricole et pour qu'ils ont dit usine mango exactement c'est ça m'a pas expliqué on me dit usine traitement. Usine traitement mango. Comment pour qui ça ne parle de usine traitement? Donc mango qui pral aux États-Unis ou bien dans n'importe quel autre pays, l'a sorti dans toute zone que nous sorti cité là yo, et l'œil fin sorti dans zone ça yo, il pral atterri dans une installation pour faire traitement que nous isolé usine traitement mango. Donc là où il vient dans usine traitement mango, donc yo pral subi un traitement dans un de l'eau chaude. Il va plonger tout mango dans un de l'eau chaude qui est élevé à une température donnée, il va passer un certain temps et traitement ça mango obligé subir traitement pour que il touye tout insecte, toute larve ou bien zèmouche mouche qui sous mango. Et décision ça te prend en année 86 avant nous te qu'on exporter mango sans nous pas faire traitement de l'eau bouillie, nous te qu'on fait avec un traitement fumigation avec un produit chimique. Mais très malheureusement FDA Food and Drug Administration yo te exigé que faut nous changer méthode de traitement pour plusieurs raisons pour que nous connaît déjà pour limiter consommation produit qui vient pesticides ou bien l'autre bagaille là-dedans. Donc rappeler depuis nous t'ai fini cette décision ça 86 87 nous commencer traiter mango avec de l'eau chaude département agriculture des États-Unis dans souci pour protéger espèces végétales que même mouche ça ka attaquer la caillou dans souci ça yo dit faut yo vérifier que traitement n'a fait en dans usine yo avant de exporter mango faut yo vérifier qu'il respecte que pas gagne zé avec lave cap sorti en dans yon usine traitement Haïti qui va tomber aux États-Unis surtout dans près de Floride là côté espèce végétale qui met que moussaka attaquer c'est ça fait yo installer en dans usine yo des inspecteurs qui pour vérifier et inspecteurs yo dépend directement des USDA et c'est ça fait dans l'autre que vous voyez yo dit qu'on y a inspecteur USDA dit que li gen problème pour déplacement inspecteur yo déplacement inspecteur si on va arriver dans usine là à cause d'insécurité avec exactement c'est pour question sécurité comme inspecteur va arriver dans un traitement yo et en même temps yo pas ca vérifier que man qui pour arriver aux États-Unis li subi des traitements adéquats donc gouvernement américain pour protéger la caille li dit m'pa ka konn sa kap passé dans l'usine nan donc moi-même m'pa ka recevoir produit a j'aime te konn recevoir avant et konn recevoir avant c'est dans il sert un programme de pre-clearance comment t'a dit pré-dédouanement c'est que une fois que l'inspecteur a dit en dans l'usine nan vérifier processus de traitement mangoa et qu'il confirme eh bien c'est comme quoi m'envoie tout dédouané depuis en Haïti. M'a expliqué au passé pour avoir été un inspecteur dans une usine traitement mango pour ça gain plus que 35 ans. M'a parlé de 87 et que 88 que m'étais dans une usine à travail. Eh bien comme inspecteur USDA, eh bien dans ce sens là, dès pour fin rentrer dans l'usine, mango fin traité, mango stocké en côté. Ou fait même pour que m'angoisse tout là avec un sil qui gon numéro si demain matin on retourne dans l'usine là numéro sil l'a changé tout m'angoisse en dedans gâté ou pas ca exploiter là encore donc c'est pour montrer que système là c'est un système qui pour fiabiliser
consommateur ou bien protéger consommateur mango aux États-Unis avant mango à rentrer aux États-Unis. Donc pour moun bien comprendre décision, pour me dire clair, c'est bon décision méchant que lié. C'est une décision tout pays qui a une responsabilité pour protéger les citoyens. C'est une décision que vous prenez normalement et n'importe qui l'est. Et décision ça, c'est nous-mêmes qui permettons de voir nos propres. Côté que l'environnement sécuritaire d'un pays a dégradé considérablement. Inspecteur qui pourra le vérifier dans l'usine n'est pas arrivé. Et comme inspecteur va arriver, il dit, moi, m'a protégé tête nous. Et deuxième, bon petit deuxième aspect, peut-être, qui n'a pas soutenu dans notre là, c'est que, bon, à côté tripartite entre le ministère de l'Agriculture, qui représente l'État haïtien, ANEM, Association nationale des exportateurs de mangue, qui est secteur privé, qui est commercialisation, et USDA, qui c'est lui-même cap vérifier que le traitement est bien fait à travers EFIS, qui c'est service quarantaine et protection végétale animal la caillou na kosa li gen ministère de l'agriculture bon responsabilité tout pour le vérifier par contre sous songe en 2007 te gen nous te frappé déjà par une première interdiction et là ça des mon responsabilité en dans ministère et que c'est moi même qui t'ai géré monitorer tout système négociation yo et à sorti de et une série de responsabilités bon côté l'État haïtien pour te mettre un programme de détection et de contrôle de population mouche qui a affecté. Donc, contrôle ça, c'est exigé que le ministère de l'Agriculture ait des superviseurs qui ont fait service en dans les attrapes qui ont été pour mouche. Et je dis à là, est-ce que même au niveau du ministère, il y a une capacité réelle, soit pour jouer un moyen, soit pour jouer un gaz, et soit pour avoir accès dans une zone de production mango. Est-ce que yo ka traverser qu'on y a pa pour exemple dans la Tibonite côté ou gen la vertu même dans zone ça vient est-ce qu'on ka mande on cadre gonia à vérifier quantité mouche et yon tatrap et ramasser et dans semaine qui dépasse donc ça deux ça veut dire gen deux donc question sécurité a li affecté filière là en pile donc c'est question sécurité qui a affecté filière là et qui fait yo prend décision ça donc on veut tout le monde bien comprendre ce que son décision de protection espèces végétales par aux États-Unis qui fait que yo prend décision mais bon bémol sous garder notre là bien yo pas dit yo interdit exportation mango vers États-Unis yo dit yo camper avec programme pré-clearance qui est le pré-dédouanement ça veut dire pré-dédouanement ça veut dire étant donné que vous avez un inspecteur par yo, c'est comme quoi, c'est chef service de quarantaine, ma pour exemple. L'arrivée aux États-Unis avec un produit, et FDA avec EFIS, ça veut dire FDA, c'est Food and Drug Administration qui vérifie que tout produit est normal, et EFIS, c'est unité quarantaine, et en dans la douane, yo tous les deux, à mettre ensemble, y'a fait inspection, y'a dit oui, produit ça, ils répondent aux normes sanitaires pour rentrer, en d'un pays. Au lieu que c'est les produits arrivés là-bas, que l'institution ça y a pour le travail, pour dire oui au cas rentré, y a fait le DPI Haïti. Donc, ce programme fait le DPI Haïti qui campe. Comprends-moi bien. Est-ce que cela veut dire que Gonjan, que l'exportation est capable de continuer quand même vers les États-Unis? Oui, mais ça, la répond à une exportation de n'importe qui produit normal que vous avez besoin aux États-Unis. Comme pas un programme pre-clearance pour cacao qui a rentré, même genre avec pour café qui a rentré, vous me citez ça ou seulement, et le ça, il a subi toute inspection normale qui a dû être faite avant de valider. Avec tout risque qui est. Exactement, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a un risque pour produire arriver aux États-Unis, tout, que vous pas accepté. Ça veut dire que vous payez le transport et qu'on est allé arriver aux États-Unis. Yo pas accepté ensuite pour retourner son produit périssable la bien tenté au perdu toute comme là à l'inverse traitement que qu'on fait ou qu'on valide depuis Haïti qui bail près des droitement depuis mangoa quitte usine là il sous contrôle yo il va sous il monte avion il va sous contrôle encore en termes d'application ça veut dire 7 que mangoa ça il déjà vendre après le vendre
Alors, vous savez, dit tout rejet, tout l'autre bail qui sont dans usine yo, qu'on y a eu gétan arrêté sous place ou qu'a utilisé yo. Mais si c'est là-bas, les mangou arrivé là-bas, yo du mangou a pas bon. Ou n'a pas. Donc c'est d'où importance pour l'influence qui te gagne dans système là et jodi a là si on dit que éliminer pour l'influence risque là trop élevé comme mango c'est un produit périssable risque là trop élevé pour que ou rentrer dans l'exportation mangoua comme un produit normal qui pourrait subir toute inspection service quarantaine aux États-Unis. Donc ou pas qu'à prendre chance. C'est ou pas qu'à prendre chance, ou pas qu'à supporter court risque là. Exactement. Donc, et sous pas oublier tout le bon système de commercialisation dans filière, sous bon risque ou pas obligé de distribuer risque là sous toute chaîne de valeur là, ça veut dire sous tout acteur qui bénéficie et là ça 12 à pour des trois dernières années autour de 12 millions mais 20 millions de dollars que Mangoua te compte bail qui répartit autour de tout acteur dans système là qui compile autour de 120 à 130 000 familles qui te compte bénéficier pratiquement plus que 50% dans revenu que Mangoua généré. Donc laisse ça si risque la vin plus élevé monde qui pral prend plus gros risque qui c'est exportateur qui gagne risque Mangou là ou pas accepter. La pral prend des mesures tout pour pas distribuer tout revenu pour gérer risque là. Donc il fait que comme système là ou bien filière là et gen droit vinn pas intéressant pour tout acteur impliqué là-dedans. Le m'a parlé de tout acteur, faut me citer rapidement. C'est que pas oublier m'a parlé de toute zone côté mango yo distribué. Ou gen moun ki gen pied mango parce que pas oublier en Haïti nous pas gen de verger conditionné réglementé en termes de production mango. Mango son bail en anglais white crop. Ça est fruit sauvage. Donc c'est parce que c'est à droite à gauche ou gen deux trois graines mango qui dispersé. Donc ça veut dire ou besoin moun ki gen mettre mango a y acheter lamelle, faut gen moun ki cueille mango a, faut gen moun ki lave le avant de arriver, que l'on pré-traitement avant de arriver dans l'usine. Il faut que les gens qui transportent, il faut que les gens qui ont l'arrivée dans l'usine, qui travaillent dans l'usine, qui ont les gens qui pour faire emballage, les gens qui pour faire traitement même dans l'eau chaude, et les gens qui pour travailler dans le stockage. Là. Ou un groupe d'acteurs comme ça, et puis qu'on a les gens qui font investissement, c'est plus que 2 millions de dollars pour faire un investissement pour établir une usine de traitement mango en Haïti. Donc, moun ki fè sa yo, yo gen des charges financières et en même temps tout soit même des prêts la banque puis monter on unité comme ça. Donc ça veut dire mais tout moun ki an dans chaîne valeur ça qui c'est mangoa, mango francique là seulement et le revenu qu'il génère qui c'est autour de 20 millions de dollars, il réparti entre toute famille ça yo. Donc ça veut dire qu'on est à la sou vinn pa gen garantie que mango allait arriver là vendre que l'a généré même revenu hier le ça revenu par de revenu qui va venir joindre chaque grain de monde ou bien chaque groupe d'acteurs là va venir ici et le ça filière mango a pas venir une filière qui est intéressant. Et mais donc là je vais expliquer hein, c'est un gros coup pour économie hein, bon pas juste seulement pour secteur mango hein, mais l'argent distribué tout impact li cap gain li ka gain conséquences sur économie en général. Exactement. Économie, nous déjà avons un gros déficit de balance commerciale et pays. Et le peu de sang exporté, quelques grains de café, quelques tonnes de cacao, et quelques gallons d'huile vétiver, et pratiquement reste là, c'est sous-traitance, et puis mangoua, qui généré, j'aime dire, 10 ans avant, qui a généré autour de 20 millions de dollars de rentrée en devise, et chaque année. Et qu'on y a là qui rentre moins que 15 millions à cause de plusieurs problèmes que nous avons gagné depuis tout bio de commencer dans trois dernières années, 2019 et 2021. Ou passer de 2,5 à 3 millions qui sont en normal côté qu'on exporte à moins que 1,5 millions qu'est-ce qu'on fait l'année dernière et 1 million 100 000 et quelques. Donc, ça veut dire que le volume a diminué considérablement. Pour diverses raisons, et instabilité politique, et pays lock, insécurité, et tout ce lot sort qu'on est. Donc, ça veut dire qu'on est à jour d'y là, c'est vrai, et c'est pour gros comme, mais là, permettre 120 000 familles, 130 000 familles, qui plus que 2 millions de monde en nos populations de 11 à 14 millions, quantité de monde n'a pas encore. Donc, et c'est tout ça qu'on
qu'on pral faire dans l'économie qu'on gon impact mais c'est pas ça seulement moun ki habitué dans grand centre bien soit Saint-Marc ou bien de l'autre côté ou a remarqué que ou tout gen des mangos pendant toute année là dans certains points m'a prend point que m'konn ouel sou Delma sou café la bataille ou on est là deux trois moun là campé dans deux camionnettes et des camionnettes là chargé mangos. Ça mango, c'est au marché interne. Non, oui, mais mango ça au côté sorti. L'étape là très difficile pour mon al Saint-Jean d'ici d'aller prendre deux trois grains de mango français pour venir jouer dans la bataille. Parce que il faut pour collecter pour transporter trop lourd. Et bien c'est dans mango que toute usine yo rentre dans usine là que yo collecter, yo traiter, gena yo qui pas répondre à norme d'exportation yo, yo relé yo pas qualifié et puis bon dans langage yo relé au rejet. Et que c'est mango ça yo qui déversé sur marché pour le printemps et qui lui-même vient jouer un rôle dans sécurité alimentaire. Donc, et alors est-ce que marché local là pour être capable absorber quantité exportation que vous avez fait vers les États-Unis? Qui fait qu'on a exporté? C'est parce qu'au grand volume qui dépasse niveau de consommation à pas oublier mango a une concentration de production à une période donnée. M'a rappelé que nous avons exporté mango de novembre à septembre. Mais avec augmentation population, si zone qui te gen mango fransi côté qu'on commence en novembre là, c'est la région des Maté, Cabaret, Akaye, Tikrasmoso na Kazal et ces zones ça qui te qu'on bay mango novembre décembre et comme qu'on est à la marché local la vin pi attractif, moun yo consommer et mango novembre décembre qui vient faire que Haïti perdu fenêtre opportunité novembre à mars là c'est avril où commencer et exporter et pour qui ça oui c'est parce qu'on a une grosse concentration de volume de production population locale et même nationale là va qu'à consommer tout mango ça c'est gâté la gâté les vins qu'à dégager le surplus que usine qu'à exporter et comme marché l'autre bois tout son marché qui est attractif les générer beaucoup plus revenus pour propriétaires et tout acteur qui dans filière mango donc fait ou qu'à exporter qu'on a c'est façon pour répondre question pour nous marché local là dans période grande production marché local là pas ca absorber c'est à gaspiller. Et alors donc nous t'exporter principalement vers les États-Unis c'est le principal marché externe. Est-ce que gain possibilité travail ou bien entrer sous d'autres marchés qui t'a ca intéressé la question mango? Oui. Et nous exportons ti mango tout au Canada avec l'Europe parce que pays ça est tout le plus facile pour exporter sous yo comme yo ces zones de pays tempéré yo pa gen plante tropicale que mouche lan ka adapte ka attaquer donc yo d'accord pour recevoir mango sans que yo pa traiter mais l'homme vend mango aux États-Unis c'est pour qui est c'est pas pour américain vend mango aux États-Unis c'est pour de groupe ethnique qui est habitué déjà à manger mango. Américain puissant, si je prends dans le nord et États-Unis, un monde qui fait Serapos, un bon exemple, sous fond États-Unis avec Canada, qui va jamais manger mango, son blanc, et il va pas manger un grain de mango. Donc, mango, que vous avez, c'est pour deux groupes ethniques. Et quand vous avez plus forte concentration de groupes ethniques qui ont mangé mango déjà, et bien, c'est pour eux qu'on voit mango. Alors, groupe ethnique, c'est des pays qui ont mango. Et juste pour une bonne indication, mango, si vous prenez nous-mêmes qui dans l'équateur, sous globe terrestre, mango produit côté nous là jusqu'à arriver à 35 degrés latitude nord et jusqu'à arriver à 35 degrés latitude sud. C'est ça où les tropiques du Cancer, les tropiques du Capricorne. Donc, si vous prenez deux lignes imaginaires, ça vous fait tout le globe là. Tout pays qui tombe entre deux lignes, ça vous fait mango. Ma point, nous n'avons pas lu de la Chine pour l'autre bas, mais c'est Chine qui est le premier producteur mango. Chine, Thaïlande, c'est un pays qui est dans l'Afrique là. Puis, il faut un pays qui est devant nous dans l'Ouest. Et puis, un pays en Asie. Et puis, c'est un pays nous-mêmes qui est dans le mi-temps. Et puis, un pays qui est occupé pour qui sous tête nous c'est Mexique et puis qui sous bas qui en bas nous c'est Brésil donc nous avons mis temps ça veut dire l'autre mango aux États-Unis c'est moun sa yo qui mange mango donc là
sou ta di ou pral chèche l'autre marché pour Mangoa ou ka chèche l mais ou bon concentration de population assez important de moun Mangoa pour ka vinn fè que marché a aussi attractif que ta dwe. Gè problème marché an, bon nous konnen ici déjà un problème de chômage qui pral aggraver avec sa krive a. Oui, même si c'est un parle sensible d'acteurs qui pral concerner, mais quantité mon un pays où déjà gen chômage la donne, un pays où pas gen accès à revenu, un pays qui pas gen travail la donne. Le wap perd du travail pour 120 000 moun. C'est déjà, mais quel que soit ça ou tire la donne, c'est déjà un bon revenu. Et pas gen moun, pas Mangoa sorti là, gen moun qui compte sur Mangoa pour payer l'école et même pour payer kay par exemple, m'a prend zone puis des sous d'eau avec des varier sur mes balais. C'est deux récoltes qui étaient important pour eux, c'est Mangoa avec trois. Donc ça veut dire le yo Mangoa saison Mangoa pour arriver, c'est là yo payer dépenses yo gain pour faire pour toute année. Même Jean Cochon Créole là te représente un élément important la économie paysanne là, économie en général, je dis à Mangoa tout c'est même bagaille là dans certains sens. Alors même bagaille là dans zone bien, zone géographique, il y a des zones qui pas gagne Mango, mais pas oublier ou pas vivant sec fermé, gon effet diffuseur de redistribution revenir et Mangoa, même si on est famille et il pas gagne et revenu pour Mangoa. M'a pour exemple et Belader et plateau central et payen en pile Mango français qui gagne 2-3 graines, mais moun qui dévalue ni balè sodo qui fait comme dans Mangoa, et bien la pral acheter des bagages qu'il besoin sur Belader. M'a parlé de 120 à 130 une famille comme bénéficiaire direct, et mais c'est on j'aime ta dou bon effet diffuseur et redistribution de revenus dans main de l'autre groupe d'acteurs t'a vendre bien à service à offrir. Donc ça il dit c'est mon bagage qui grave qui est là. Donc il dit gain deux mesures qui pour prendre pour nous adresser ça. Alors justement c'est là m'd'après arriver pour nous finir en peut-être 3 minutes et qui type de mesures que vous pensez qu'à prendre? Bon cette fois nous voit que c'est pas l'enfili à la même problème là, c'est ailleurs. Bon, Godson Sel ça me gadou et on grain musique me gadi, principale raison qui fait yo suspendre et programme pour dédouanement, c'est pour question insécurité. Donc dirigeant l'état actuel yo besoin prendre des dispositions pour permettre libre circulation bien service à moun en toute sécurité en dans pays. Ça est première mesure. L'autre mesure qui lié à filière la même, m'pa ka di ou la sur radio, pa oublier m'a djouli, Godson, pa vivre de consultation, son consultant indépendant. Donc m'pa ka raconter ça moun ka fè pour sur radio. Mais faut relé, y a payé pour ça et puis m'a di ou ça pour faire. Ça c'est l'autre mesure. Oui, bon. C'est de samedi, donc on va faire une consultation gratuite. Donc et ceci dit, pour vous, et en dehors de questions de sécurité, il y a d'autres actions qui sont capables de faire et qui peuvent aider à passer mauvais passe. Ah oui, il y a plusieurs bagages. Donc tout espoir n'est pas perdu. Non, on n'est pas perdu net. Eh bien, Agoram Gay, nous vous merci en pile pour le temps qu'on accorde nous et pour toute information ça qu'on partage avec nous qui aide à comprendre effectivement ça qui a passé jeudi avec filière Mangoa après décision ça que les États-Unis prend. Nous vous merci en pile. Toujours à ta disposition, Godson, et à la population, m'a toujours là pour m'informer au moment opportun sur des sujets que je connais. Je vais parler dans toute bagaille. Merci, c'était ton plaisir. Eh bien oui, avec nous c'était ingénieur agronome Johannes Gay, ancien ministre de l'agriculture de 2008 à 2011. Nous t'a mis en perspective disposition ça que administration américaine prend par rapport à question inspection mango qui vient fait que li pas possible à partir de janvier 2023 pour Haïti exporter mango aux États-Unis. Bien entendu, la considération qui fait là, nous pas garder conséquences au niveau environnemental qui capable très important tout. C'est un autre aspect dans question.